Cette vidéo concerne jeux vidéo en Inde. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le jeu vidéo en Inde est un marché émergent. Avec 30 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2006 en jeux vidéo 2006, le secteur du jeu vidéo y est encore sous-développé par rapport à d'autres pays d'Asie comme la jeu vidéo en Chine et la jeu vidéo en Corée du Sud. De nombreuses sociétés de jeux vidéo commencent cependant à y investir et l'Inde pourrait devenir un marché important pour ce secteur avec un taux de piratage des logiciels et des consoles de plus de 80 et un taux de pénétration des compatibles PC encore faible. Le marché du jeu vidéo de l'Inde a longtemps été en retard sur le reste du monde. Les éditeurs et distributeurs de jeux vidéo peinant à trouver leur place. Ce retard explique également par le fait que le pays n'a traditionnellement jamais eu une véritable culture du jeu. Cette situation est cependant en train d'évoluer grâce à l'augmentation du revenu moyen des Indiens et à l'accroissement de l'intérêt des jeunes pour Internet et ses divertissements comme la Chine et la Corée du Sud. L'Inde connaît une forte croissance dans le domaine des jeux en ligne. Avec entre 35 et 50 millions d'utilisateurs d'Internet, le pays suscite l'intérêt de l'industrie du jeu vidéo en ligne, ces derniers étant difficiles à pirater. En octobre 2005, l'éditeur Level Up est le premier à distribuer un jeu en ligne massivement multijoueur en Inde avec Ragnarok Collin et il est rapidement suivi par d'autres sociétés comme Sify avec le jeu à jeux vidéo A. Ces derniers sont des jeux sud-coréens dont le contenu a été adapté afin de plaire à la population du pays. Ces jeux n'ont cependant que succès modeste avec environ nombre 10 000 joueurs en 2006. Les investissements continuant d'augmenter, le marché du jeu vidéo devrait cependant rapidement progresser en Inde. Arvstan Ghost Roll of 2007 Lok Lang en Asian Game Market P33. Un des facteurs de croissance du marché du jeu vidéo réside dans son grand nombre de cybercafés. Le pays en compte en effet plus de format minimum 100 000 en 2006 dont 40 sont utilisés pour jouer en ligne. Les jeux vidéo jouent un rôle crucial dans leur développement en attirant les clients et en les fidélisant, et inversement les cybercafés contribuent à la promotion des jeux vidéo. Arvstan Ghost Roll of 2007 Lok Lang en Asian Game Market P34. Notes et références bibliographie ouvrage titre Book of Game volume de langue en prénom Bandic non Stang lien auteur prénom Mort Anon Osterol lien auteur prénom Eric non Oftu lien auteur sous-titre Ultimate référence son PC Video Game éditeur Book of Game année 2007 page totale 390 769 788 299 737 821 plus moi catégorie jeux vidéo en Inde.